Laetitia Hallyday a quitté les États-Unis pour poser ses valises en France. En toute discrétion, la maman de Jade et Joy est arrivée en France et a tout de suite filé dans un lieu symbolique. Ce mercredi 15 juin, elle était présente sur le parvis de la salle Accor Hotel Arena où une statue hommage à Johnny Hallyday a été inaugurée il y a quelques mois. Pour ce moment de recueillement, Laetitia Hallyday a pu compter sur la présence de ses filles, Jade et Joy, de sa grand-mère Elliette et de plusieurs de ses amis comme Liliane Joshua et Marie Poniatowski. Pour rendre hommage au rocker, qui aurait dû fêter son 79e anniversaire ce jour-là, Laetitia Hallyday avait misé sur une tenue chic et bohème, un jean patte d'éléphant, une chemise orange surmontée d'un gilet noir, une paire de lunettes de soleil et un sac en raffia vendu à 150 euros par Saint-Laurent. Pour les proches de Johnny Hallyday, ces retrouvailles devant Bercy étaient le meilleur moyen d'honorer sa mémoire. Sa veuve lui a d'ailleurs dédié une bouleversante déclaration d'amour sur son compte Instagram. Ce n'est pas un jour comme les autres, cela ne l'a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d'amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd'hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les cœurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l'éternité, écrivait Laetitia Hallyday en légende d'une tendre photo en noir et blanc d'elle en compagnie de Johnny Hallyday. Joyeux anniversaire. Je t'aime pour toujours. Comme elle, ses filles ont aussi rendu hommage à leur célèbre papa. Johnny Hallyday, les beaux hommages de ses filles, j'espère que tu vas bien là-haut et que tu te marres bien. Nous quatre pour la vie à jamais sans personne d'autre. Mon papa, je te souhaite le plus joyeux des anniversaires, écrivait Joey Hallyday tandis que sa sœur, Jade, a publié, joyeux anniversaire au meilleur des papas au monde. Je t'aime et tu me manques tellement. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à toi. On a énormément de chance de t'avoir comme papa. Tu es un papa extraordinaire et si talentueux. On t'aime à la folie. Tous les proches de Johnny Hallyday sont en tout cas réunis autour d'un nouveau projet émouvant, celui d'une exposition hommage. Avec toute l'équipe qui m'entoure, si est-il le fruit de 2 années de travail, de recherche, de souvenirs que nous allons bientôt partager avec le public, se réjouissait Laetitia Hallyday. Pour imaginer cette exposition, je me suis nourri de tout ce que j'ai appris à ses côtés, son sens du détail, du show, du spectacle et son ambition démesurée pour son public.